À seulement 21 ans, Pierre de Mar apparaît comme étant un des artistes majeurs des prochaines années. L'artiste belge a sorti au début de l'année son premier album Regarde-moi, dans lequel il chante l'amour, le bonheur, la vie tout simplement. Alors qu'il participe à un concert privé RFM avec Claudio Capeo et Christophe Maé, au Théâtre Fémina de Bordeaux ce mardi 28 mars, Pierre de Mar a accepté de répondre à nos questions. Gala.fr, vous avez 21 ans, et votre carrière a totalement décollé en quelques mois. N'est-ce pas trop vertigineux ? Pierre de Mar, je suis super content, je ne vais pas cracher sur cette évolution de carrière soudaine. Si est-il très plaisant, si est-il l'accomplissement du travail avec le label. Gala.fr, votre single Un jour je marierai un ange a mis plusieurs mois à s'imposer et devenir le tube qu'il est. Pierre de Mar, oui, ça s'est fait en trois actes, la première mise en radio en janvier 2022, le buzz sur TikTok grâce à une reprise, puis l'après-victoire de la musique. Si est-il un morceau qui ne veut pas mourir. Gala.fr, et tant mieux. Pierre de Mar, oui, mais il y avait une pression à se demander si la suite allait plaire. Mais je suis content car mon nouveau single Enfant 2 commence à prendre comme je le souhaitais. Et je veux faire encore mieux. Gala.fr, vous aviez peur que le public vous associe à une balade? D'être enfermé dans cette case? Pierre de Mar, si est-il exactement ça, oui. Après Je marierai un ange, j'ai voulu envoyer un titre totalement différent. D'où le contraste avec Enfant 2. Je voulais dire que je n'étais pas que le chanteur romantique, sentimental. Je veux montrer toutes les cordes qui sont à mon arc, car sur cet album, je me suis fait plaisir. Gala.fr, un Energy Awards belge, une victoire de la musique. Ça met la pression? Pierre de Mar, non, si est-il plutôt une belle reconnaissance. Ça me permet de m'enlever le syndrome de l'imposteur que j'ai eu longtemps, car ça vient de personne du métier. Gala.fr, vous travaillez avec votre frère Xavier. Est-ce plus compliqué de chanter ses compositions devant quelqu'un de sa famille? Pierre de Mar, si est-il une bonne question. Ça pourrait l'être face à mes parents car il y a une forme de pudeur, mais mon frère est mon ingé son, mon meilleur ami, donc j'ai aucun mal à lui exposer mes chansons. Gala.fr, la chanson, si est-il une vocation? Pierre de Mar, oui, j'ai toujours eu envie d'être chanteur. Lady Gaga, Stromae, Disco Beach. Autant de références qui ont pu me donner l'envie de me lancer. Surtout Stromae avec son ambition internationale, et il a aussi cassé les clichés je trouve. Gala.fr, vous n'avez pas l'impression d'être le nouveau Stromae, justement? Pierre de Mar, si est-il vrai que les Belges font pas mal de braquage entre les victoires et les Césars? Mais pour revenir à la question, j'ai envie de dire merci, car si je deviens le nouveau Stromae, si est-il super, même si moi j'ai envie d'être Pierre de Mar, si je pouvais marquer la musique autant que lui, j'aurais tout réussi. Gala.fr, vous avez repris un tube de Najwa Belizel, Gabriel. Vos deux voix se marieraient bien ensemble. Pierre de Mar, j'adore. Si j'ai un jour l'occasion de chanter le morceau Gabriel avec elle, ça serait super.
Gala.fr, vous faites quelques dates de concert ce printemps, et vous allez continuer lors d'une grande tournée en France à l'automne. Chanter ses chansons face à des milliers de personnes, ça galvanise. Pierre Demar, si est-il excitant autant qu'effrayant, d'autant plus que ça ne fait qu'un an que je fais des concerts. Plus j'aime fait, plus j'aime ça. J'adore cette liberté du live et le fait de pouvoir rencontrer les gens, faire des photos, des autographes. La tournée, si est-il un aboutissement. Gala.fr, et quid de l'Eurovision? On vous y imaginerait bien. Pierre Demar, je ne sais pas quoi en penser. Je regarde, mais je ne suis pas sûr que je voudrais me lancer. Si est-il une grande cérémonie, ça me fait peur. Peut-être un jour, mais il faudra me convaincre. Gala.fr, enfin, cette célébrité, comment la vivez-vous? Pierre Demar, si est-il un grand mot. Je suis dans la rue, on ne me reconnaît pas, voyez-vous. Après, oui, je reçois des cadeaux, je suis invité à des défilés, et j'ai des verres gratuits en boîte de nuit. Il rit, crédit photo, Koadik Guirec. Times through the rough times, I think you got.